à tous, c'est Wolfie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc une nouvelle fois pour une petite Skyrim, tranquillou. On va aller rendre l'étoile d'Azura à sa propriétaire. De même, on va même avoir rendez-vous à l'intérieur. D'ailleurs, hop. Salut. L'étoile d'Azura. Je le savais. La dame du demi-jour ne vous envoie pas sans raison. Remettez-la moi. Je demanderai à Azura de rendre à l'étoile sa pureté originelle. Ouais, tiens. Je vais communier avec Azura. Azura, dame des roses, déesse de l'aube et du crépuscule. Le champion que tu as choisi t'apporte ton étoile. Elle veut vous parler en privé. Je vous en prie. Placez vos mains sur l'autel et vous entendrez ça. Au revoir. Je te salue. Tu m'as écouté pour traverser les voiles du crépuscule. Et tu as repris une étoile en allée vaille. Mais son âme est toujours à l'intérieur, protégée par ses sorts. Tant qu'elle y demeurera, tu ne pourras pas te servir de mon attribut. Ah, on va rentrer dedans. L'étoile reviendra fatalement dans mon royaume d'Oblivion. Mais je doute que tu aies 100 ans devant toi pour attendre ce moment. Non, il ne reste qu'une possibilité. Je vais t'envoyer à l'intérieur de l'étoile. Tu en expulseras l'âme de ma vie. J'attends ton signal. Aie confiance. Je te protégerai. Ah, ça me protégera pas. Et visiblement voit enfin une nouvelle âme. Tant mieux. Je commençais à avoir faim. Attendez un peu. Vous n'êtes pas comme les autres. Ouais. Et qui êtes-vous pour me défier? J'ai triomphé de la mortalité. J'ai craché à la face des princes d'Edra. Ceci est mon royaume à présent. J'ai sacrifié trop de choses pour vous laisser me le prendre. Vous n'auriez jamais dû... T'as vu dans quoi tu habites, mec? Y a rien, regardez. C'est plus grave. Ah, est-ce qu'il faut se méfier quand même? Par exemple... Ouse. J'arrive pas à les approcher, mais eux ils te massacrent. Hein. Pas de suite, cerveau. Je peux pas avancer, c'est un truc de fou. Hein. Oui, moi. Pourquoi faut tout refaire, hein, mais... Vous voyez, ça c'est un gros défaut de Skyrim. Au lieu de vous dire est-ce que vous voulez refaire la quête ou pas, à chaque fois vous êtes obligé de tout refaire de A à Z. Mais merci le personnage. Non, non. Voilà. Ouais, c'est que la galère parce qu'ils me font des dégâts de taré et j'arrive pas à y toucher moi. J'ai que ça comme potion sur moi. Voilà. Désolé, hein, ça prend un peu de temps. J'allais me blinder en potion de soin parce que si le mec en deux boules de feu il me détruit, ça va pas le faire. Pour l'instant, on sera mort deux fois. Je gage que je vais mourir 50 fois avant de réussir. Maman, ah, mais fous-moi la paix, toi. J'ai un cadeau pour toi, maman. Je m'en fous. J'espère qu'il te plaira. Je m'en fous. Je suis votre épée et votre bouclier. Ça, faut pas sortir de chez soi. Hein. Non, ça sert à rien.
ça, ça sert à rien. Ah, j'ai déjà son passion, mes potions de santé. Bon, j'espère que ça suffira. Mais cassez-vous! Maman! Allez, les mecs, ils m'ont fait perdre 10 minutes de ma vie. Allez, on recommence. Là, on va réussir, vous inquiétez pas. Et si on réussit pas, bah, on réussira quand même. En plus, faut que j'arrive à les fouiller, les draps. Parce qu'ils ont des cœurs pour moi. Je le savais. La dame, remettez-la moi. Je demanderai à... Souhaitez-vous présenter son étoile là? Ben oui, tu crois que j'essaie de faire quoi? Et recevoir sa sagesse. Je vais communier avec Azura. Azura, dame des roses, déesse de l'aube et du crépuscule. Elle veut vous parler en privé. Je vous en prie. Placez vos mains. Je te salue. Tu m'as écouté pour traverser les voiles du crépuscule. Ouais, ouais, ouais. Et tu as repris une étoile en allée pareille. Mais son âme est toujours à l'intérieur, protégée par ses sorts. Tant qu'elle y demeurera, tu ne pourras pas te servir de mon attribut. L'étoile reviendra fatalement dans mon royaume d'Oblivion. Mais je doute que tu aies 100 ans devant toi pour attendre ce moment. Non. Il ne reste qu'une possibilité. Je vais t'envoyer à l'intérieur de l'étoile. Tu en expulseras l'âme de ma vie. J'attends ton signal. Allez, vas-y. Aie confiance. Je te protégerai. Allez, envoie-moi la parole. Ah, voilà. Mes disciples m'envoient enfin une nouvelle âme. Arrêtez de parler. Tant mieux. Je commençais à avoir faim. Attendez un peu, vous n'êtes pas... Et qui êtes-vous? Bon, on va essayer de pas mourir. Si je meurs, c'est que j'ai pas niveau. À ce moment-là, je ferai d'autres quêtes. Et on reviendra là plus tard. Parce que là, ça nous a pris 8 minutes pour venir là. Hein. Merci le jeu. Bruce, Rhoda! Tu peux maintenant utiliser mon étoile comme bon te semble. Adieu. Sache qu'Azura protégera tes pas dans le crépuscule. Bon. Il est complètement starbé, le mec. Quand vous étiez dans l'étoile, j'ai reçu une vision d'Azura. La dernière
m'a-t-elle dit. Tu veux qu'elle te pète les toiles ? J'ai vécu avec la clairvoyance d'Azura depuis que je me suis enfui de Morrowind. Je ne sais pas quoi faire. Si vous voulez de moi, je serai honorée de vous accompagner, sentinelle de l'étoile. Cela donnerait un but à mon existence. Oh. Le couchant vous protège. Allez, viens avec on moi. Dirait que vous avez déjà quelqu'un. Oui, mais... Ça, c'est pareil, c'est jamais automatique. Je suis sur vos talons. Je serai chez moi si vous me cherchez. Oui, je sais. C'est assez embêtant parce qu'à chaque fois, du coup, vous perdez un temps fou pour rien. Le crépuscule, ne perdons pas de temps. Que voulez-vous, Sentinelle ? Je vais rentrer. Vous savez où me trouver en cas de besoin. Alors, j'espère que tu seras chez moi. Pour ça de suite. Je vous suis. Alors, ce qui est embêtant, c'est que j'arrive pas à envoyer mes followers dans mon manoir ici. Voilà, Nidfall Manor. Du coup, le manoir me sert à rien. Et ça m'embête parce que je voulais envoyer tout. Tous mes followers gonzesses dans ce manoir là-bas. Tu es de retour. Pourrais-je avoir quelques pièces, s'il te plaît? Ouais, tiens. Merci. Eh, va t'acheter des bonbons. C'est un honneur de vous revoir. Que voulez-vous, Montane? Je veux voir si elle arrive l'autre. Pour l'instant, elle n'est pas arrivée. Voir si d'ici je peux l'envoyer dans l'autre manoir. T'es là qu'il arrête pas de monter sur mes chaises. Ah, ça se voit que c'est pas lui qui paye les meubles. Ah là, sacré jeu. Bon, voilà, ça c'est le côté un peu chiant du jeu. Pour être sûr que vos followers soient là, bah faut faire passer du temps. Écoute, on verra bien si un jour il y a un elfe qui traîne ici, c'est que le personnage sera arrivé, sinon tant pis. Hein. Longue vie à vous, Tan. Bon, alors. Niveau quête. Ouais, j'ai tout ça à faire. Ah, trouver le homme de fort d'hiver. Ingvild, c'est où Ingvild? Par là. Ok, c'est sur un tertre à la con. On va passer par là. On verra, on verra. Alors normalement, j'ai un mode qui me permet aussi d'habiller mes followers, mais alors je comprends pas, c'est qu'il ne fonctionne pas sur Lydia. Donc je peux pas mettre l'armure que je veux à Lydia, sauf si elle se balade avec moi. Alors que normalement, là dans mon manoir, elle devrait avoir l'armure que je lui ai donnée. Je suis un peu vexé parce que le Wolfhild il voulait se faire un petit harem et puis... Pour l'instant je ne peux point. Ça me dit qu'il y a quelque chose là-bas aussi avec un dragon. Ah, on va aller voir. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, crache pas maintenant, je viens de réussir la quête. Putain. Et voilà, je viens de perdre un quart d'heure pour rien encore. Putain de merde. Ah, et ça c'est chiant aussi. C'est alors ça me fait ça depuis la dernière mise à jour de la console. Hein. Le jeu marchait très bien. Il m'avait fait une première mise à jour, j'ai eu beaucoup de problèmes. Là, ils sont en train de refaire une mise à jour au niveau des mods. Et ben voilà, ça recommence. Je cutterai pas, hein, comme ça vous êtes témoin des soucis que j'ai. Parce que... Déjà, j'ai la flemme de cut la vidéo. Hein, je vous le cache pas, en ce moment, je suis fatigué.
Et puis surtout, je trouve que c'est important que vous voyez aussi que le jeu, ben voilà, malgré toutes ces années, etc. Super, en plus ça me ramène là. Ben merci le jeu. Oui, donc je disais, je trouve ça très important parce que depuis toutes ces années où le jeu il est sorti, malgré les mods des gens, les patchs et tout, ben c'est un jeu qui arrive encore à cracher pour rien, gratuitement. Voilà, c'est, je trouve ça extraordinaire. C'est n'importe quoi. Allez. Ah, la déception du Wolfield. Il est juste jeté un œil au camp pour le déverrouiller. Alors, qu'est-ce que vous faites là, les mecs? Camp impérial. Arrêtez donc de vous plaindre. Rien à leur piquer. Je n'en peux plus d'attendre. Quand allons-nous voir un peu d'action? Ouais, je vois ce que vous voulez dire. T'es juste un marchand ou... La Légion cherche toujours des guerriers forts et habiles. Arrêtez donc de vous plaindre. Alors, je sais toujours pas si j'intégrerai la Légion ou les Sombrages. À la paroi, il n'y aura jamais aucun problème. Comment ça se fait qu'il y a du feu près d'ici? Qu'est-ce que tu as voulu faire, mec? Aura enflammé. Mec, je crois que ton sort, tu l'as pas bien maîtrisé. Hein. Poissons ici, des glaces, un aquarium, du saumon. Saumon, ça m'intéresse pas, j'en ai déjà. Ça n'a pas craché, non, ça va. Je n'aime pas beaucoup ça. Écoute, pour l'instant, il y a des gars, hein. On n'est pas peur. Hein. Rodin.
mettez-moi-les en français, s'il vous plaît. Ouais, c'est un bug, j'ai toujours pas réussi à résoudre. C'est un bug. C'est à cause d'un mod, hein, mais je sais pas lequel. Y'a rien ici. Qui est là? Je crois avoir entendu quelque chose. Toutes mes excuses. Y'a rien. Arrête de me pousser, Elisabeth. Sérieux. Vilain le follower. Salut. Mais y a combien de chemins ici? Vous êtes à moi. Je sais pas combien de fois vous faire de la suite, mais vache. Elle est nombreuse. Ouais, je sais, ça a raté. Bon, alors du coup, faut que je remonte. Je tiens à visiter ce qu'il y a en haut d'abord, hein, quand même. Mais saute! Putain! Alors, vous voyez, ça m'énerve parce que ça fait partie des commandes un peu chiantes dans le jeu. Quand vous voulez sauter, que le personnage a décidé, lui, de rester cloué au sol. Saute! Mais putain! Ah, j'en ai pour 100 ans, les amis. Hein. C'est moi, je l'ai pas sur moi. Passer. J'espère que ça vaut le coup, hein, parce que j'ai bien galéré. Mais il faut t'ouvrir, s'il te plaît. Voilà. Ok. Merci de rien, le jeu. Pas une mine ni rien. Ah, bah, ça servait à rien d'aller là. Super. Pété saut, hein, la vache. Et il était mieux fourni le coffre du bas où il n'y a pas le saut, où il n'y a pas de serrure, que le coffre du haut avec le saut, la serrure et la compagnie. C'est n'importe quoi. Donne-moi ça. Oh, il est en français celui-là. Journal d'Arrondi, 8e jour. J'ai établi un espace de travail temporaire dans les grottes froides et ai découvert de nombreuses chambres funéraires prises à la neige et la glace. Dans la première chambre,
j'ai exhumé quelques sujets textes, tous féminins. Pardon. J'ai été stupéfait de constater que je pensais une nouvelle fois aux femmes de Bétoile en examinant mes sujets. Au début, mes pensées m'ont légèrement perturbé. Puis, j'ai réussi à reprendre le dessus et après moi-même être perturbé. Neuvième jour. Les premiers essais se sont merveilleusement déroulés. J'ai réussi à obtenir un degré d'obéissance totale de la part de chacun des sujets réanimés. J'ai ordonné à quelques-uns de mes nouveaux serviteurs de garder l'île, tandis que les autres resteront en permanence à ma disposition. Ils surveilleront mon sommeil. Ah, le mec, il s'est fait un harem. Ouais, lui, il a pu, et moi, j'ai pas le droit, c'est pas logique. D'Alrondville, 21e jour. Un événement intrigant s'est produit. Ce soir, mes gardes ont amené une intruse qu'ils ont trouvée près de la grotte. Je suis d'abord, à juste titre, entré dans une colère noire, tellement noire qu'elle ne passait pas la frontière. Non seulement j'ai été dérangé dans un de mes rares moments en compagnie de ma servante préférée, mais j'ai reconnu l'intruse comme étant une fermière de Bétoile. Elle aussi s'est souvenue de moi et affirmée avec aplomb que je rôdais auprès d'elle à longueur de temps. Mensonge. Il est vrai que j'avais remarqué à quelques occasions, mais elle était loin d'être la jeune fille la plus marquante de la bourgade. Ces accusations incessantes ajoutées à ma peur de recevoir de visites inattendues m'ont amené à conclure qu'il ne fallait en aucun cas qu'elle retourne à Bétoile. Mes serviteurs ont tout fait d'appliquer ma sentence. Son corps est à côté de moi maintenant, alors que j'écris ces lignes. C'est drôle, ses yeux sont encore pleins de vie. J'essaierai peut-être une nouvelle expérience ce soir, avec des matériaux plus frais. Il est taré ce mec. Oh, ça repart dans tous les sens, vous êtes sérieux? Non, ça va. Salut. Hein? Yo! Un nouveau joujou pour ma collection. Voilà. De ça plus tard. Oh la gemme, merci. Alors. Ça c'est bien. Ça part dans tous les sens ici aussi. Hein. Ah, ça lève, il va falloir que je la note, la gemme étrange. Arrondi le journal, partie 4. Jour 28. Je ne lis pas l'anglais, on est marrant. Alors vous voyez, pourquoi est-ce qu'ils m'ont mis des livres en anglais et des livres en français? C'est... Bon, c'est pas grave. Mais c'est assez vexant. De toute façon, le mec, il a réussi le rêve de tout homme. Hein. Il s'est fait son propre harem et ça marchait très bien jusqu'à ce que je débarque. Hein. Poil. Voilà, ça fait plaisir. Et c'est tout? Bon. Yeah,
crois que c'est le pire truc du jeu, ces escaliers en colimaçon comme ça, c'est horrible. Yeah, vache. Ok, c'est pas mal. Je sais pas où je dois aller. Ah, et derrière moi il y a un truc qui est verrouillé apparemment. Et non mais j'en viens de là. Ah parce que je suis comme sur la carte, ils m'ont mis une serrure. Et du coup, moi, faut que je passe par où pour sortir? Par en bas. Voilà. Excusez-moi, hein, vous savez que je me perds très vite. C'est bête, mais en fait c'est la différence de jouer en solo tranquille et la différence de jouer en commentant, du moins en essayant, etc. Vous perdez en concentration, mais c'est un truc de fou. Mais voilà, ça c'est fait, c'est cool. Une grotte. Qui sait ce que nous allons y trouver? On en vient, Elisabeth. Oh là 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 là. Bon, c'est pas sa faute, elle était adoptée. Hein. Allez, on va aller rendre ce casque. Donc c'est quand même une victoire et ça c'est cool. Mon travail est de servir le Yam. C'est bien, va bosser. Puis-je vous aider? En fait, je ne connais personne à l'académie. Tout le monde doit penser ça. Je me moque cadeau. Quand je pense que dans le passé, cette châtellerie était en lice pour l'accession au trône de Haut-Roi. Les autres m'écouteront peut-être maintenant. Voici votre récompense, comme promis. Vous avez la gratitude de Fort Divers. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il te faut d'autre? Ma cour peut encore accueillir un nouveau Tan. C'est surtout un titre honorifique. Mais il procure quelques avantages qui pourraient s'avérer utiles à quelqu'un comme vous. Cependant, ce titre ne peut revenir qu'à un individu réputé dans ma châtellerie. Aidez mes citoyens, et je vous nommerai Tan. Ça me va. Bonne chance à vous. Bien. Alors on fera ça plus tard. Notre famille est la Les amis, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Bon, ce fut laborieux hein, entre l'échec d'Azura, le crash du jeu. C'était sérieux mec, je dois arrêter ma vidéo ici. Attendez. Aïe. Voilà. Donc, voilà, aujourd'hui c'est la journée de l'imprévu. Hein. Je vous laisse liker un maximum de cette vidéo, vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rien rater. La prochaine vidéo, on va buter ce dragon, et quand on aura buté ce dragon, on verra quelle quête on ferait les amis. Sur ce, je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien, bye bye.